Salut tout le monde! Donc, je vais vous présenter PES 2021 sur PS5. Donc, je vous rappelle que c'est la même version que PS4. Euh, rien ne change, à part peut-être les temps de chargement et peut-être la réactivité de la manette. Donc, on va voir ça euh, tout de suite. Et regardez, on va lancer déjà. Là, c'est totalement fermé. Hein, le, 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 Ouais, c'est totalement fermé. C'est la version euh, digitale que j'ai mis. Je n'ai pas mis la version CD, mais je pense que ça ne change rien. Et regardez, vous allez voir. Allez, c'est parti. On lance. Et vous allez voir le temps que ça met. Vous allez voir le temps que ça met. Donc, il n'y a pas de match PS5 de prévu pour PES. Pour avoir un PES euh, New Gen, du coup, C'est n'est plus Nex Gen, c'est New Gen PS5, il va falloir attendre PES 2022 qui devrait sortir en septembre apparemment. Pour l'instant, on a juste eu un petit trailer. Je n'ai pas eu d'autres infos. Bien sûr, dès que j'aurai des, des infos, les amis, je vous les donnerai. Je vous les donnerai. Le temps de chargement est forcément un petit peu amélioré vu que c'est du SSD. Vous allez voir que euh, ça va. Les, do les données, elles chargent plus vite. Les données, elles chargent forcément plus vite. Donc, euh, c'est quand même plus rapide. On ne va pas se mentir, les amis. On va voir ça tout de suite. Je ne sais pas. Vous me dites ce que vous en pensez, les mecs. Vous me dites ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que c'est plus rapide ou pas Hop, My Club. On va faire un test My Club. Hein, puisque moi, c'est la référence que j'ai. Je ne joue pas aux autres modes. J'ai l'impression que c'est quand même plus rapide. Voilà, j'ai l'impression que c'est plus rapide. Mais j'ai vraiment hâte de voir au niveau du match, les mecs. Si. Ouais, regardez comme c'est fluide. J'ai vraiment hâte de voir au niveau du match. Si la manette répond mieux. Est-ce qu'il y a la même latence ou pas Après, je pense que c'est pareil. Vu que la latence dépend des serveurs. Mais ça, pour voir ça, il va falloir attendre. Euh, bah, du coup, la fin de cette vidéo. On va lancer un match day. Et on va voir tout de suite par rapport au premier match, les gars. On va voir si la latence de, de la manette, elle change. Euh, pour l'instant, je suis séduit vraiment par euh, cette manette. Vraiment séduit par cette manette, les mecs. Je pensais pas qu'elle me plairait autant. Parce que j'avais peur d'être déstabilisé. J'avais peur euh, qu'il me faille un temps d'adaptation, vous voyez. Finalement, pas du tout. Tu retrouves les mêmes touches. Tu retrouves. Euh... En fait, t'as tes marques, tu vois. T'as tes marques par rapport à, à la PS4. Et c'est ça qui est agréable. C'est ça qui est agréable. Salut tout le monde sur le live. Salut tout le monde. Donc là, on a lancé. On va lancer un petit match et on va voir. Alors, c'est vrai que déjà, au niveau des menus, on peut voir que c'est beaucoup plus rapide. Après, bien sûr, c'est pas parce que c'est plus fluide dans les menus. Ce n'est pas parce que même c'est plus rapide dans les temps de chargement. Ce n'est pas parce que ça va répondre un peu mieux au niveau de la manette. Bah, que ça va valoir le coup d'acheter une PS5 pour PES 2021, les amis. Mais voilà, en tant que YouTuber PES 2021. Je suis obligé de faire ce test. Vous, vous vous doutez bien que je ne pouvais pas passer à côté. C'est mon indo, c'est mon indo. Bien sûr, on aura de multiples gifs. Tu regrettes ton achat Xbox Pourquoi faut pas regretter En plus, on tombe sur un, un, un bon joueur. Ah, une merde Oh, elle a l'air bien la Xbox. Elle a l'air bien. Tu me, je te fracasse. Alors. Ah oui, bah du coup forcément, euh, il, il fait comme si j'avais jamais joué. Donc nous, on a déjà notre truc défensif, défensif. Donc ça a repris euh, tout mon compte, mes réglages, etc. de PES euh, sur PS4. Euh, tout très rapide, tu vois, j'ai rien eu à faire de spécial. J'ai rien eu à faire, franchement, ça s'est fait super vite. Euh, hop on va mettre un petit cible je, je sais pas pourquoi je joue comme ça Je vais vous montrer absolument la manette Et on va lancer le petit match Donc je trouve que déjà dans les menus c'est plus rapide On va pas se mentir La PS5 Très bonne question dans le chat. La PS5 ne fait aucun bruit Écoutez Là j'ai collé ma tête à la, à, la, à la Playstation Parce que la Playstation Là pour vous dire la Playstation elle est à je dirais, elle est à, à ça de ma tête. Voilà, elle est à ça. Vraiment, donc ça, ça fait quoi Ça fait 70 cm. Donc vraiment, aucun bruit. Vraiment, aucun bruit. Quand vous savez que sur euh, PS4, le bruit était infernal. Je vais peut-être baisser le son du jeu. Voilà. Donc là, non, là, je joue, là, je joue contre des joueurs, des joueurs PlayStation pas forcément euh, pas forcément PS4 PS5 Pas forcément PS5 donc euh, on va se concentrer on va essayer de jouer normalement on va voir si la manette change quelque chose change pas rien du tout moi pour moi je pense que ça change rien je vais vous dire la vérité je pense que ça change rien mais après euh, voilà faut tester faut tester mais vraiment elle ne fait aucun bruit aucun bruit les gars c'est impressionnant parce que vraiment, vous vous rappelez. De toute façon, vous l'entendiez vous-même sur les lives. Vous me disiez "Ah, ouais, il y a un avion qui décolle dans ton salon et tout. on Luthor, t'es vraiment trop beau." Non, ça, ça n'avait rien à voir. Ah, c'est contré, c'est contré. Le joystick arrière change un peu. Le joystick arrière, il est. J'ai l'impression qu'il est un peu plus gros. Le R2L2, c'est peut-être un peu plus facile de l'attraper. Je sais pas, mais après, alors là forcément il n'y a pas le retour haptique du tout. Hein. Retour haptique, je... ah putain, j'ai pas mes bonnes touches. Je me disais pourquoi il tac. Le retour haptique, je... je vous rappelle, c'est quand. Euh... Ah ouais, j'ai pas mes bonnes touches. Le retour haptique, c'est quand le... ton, ton... ton R2-L2 vont durcir. Alors j'espère que dans les prochains jeux de foot, ça, ça marchera bien. J'espère que ça marchera bien, euh... notamment au... au niveau de la fatigue et que ce sera géré par rapport à ça. Putain, je me suis foiré. Attends, mais. Ah ouais Ah, purée de merde. Bon bah, pénalty. Hein. Faut voir avec le temps. Ça, par contre, c'est vrai, Jumper. Parce que la PS4, la PS4, elle faisait pas de bruit, la PS4 Pro au départ. Mais là, elle fait vraiment aucun bruit. C'est-à-dire que... T'as pas une décibelle, tu vois. Alors que sur PS4, au début, t'avais quand même un minimum. Tu la sentais tourner. Là, vraiment, que dalle. Putain, fais chier. J'offre un but. Euh... J'offre un but. Bon, la manette, elle est pourrie, les gars, hein, vu que je perds. Là, je rigole, bien sûr. Faut, faut, faut quand même, Là, il y a une petite, une petite habitude après, peut-être parce que je suis en live aussi les gars. Hein. Ah, il est en pressing intégral de Bourrin. Hein. Par contre, vous sortez s'il vous plaît. Il est parti. Il est parti. Mais non Il y a un temps d'adaptation. La manette est un peu plus grosse, surtout au niveau d'ici de l'arrondi, là. Ouais, Mais sinon, je, la trou... je pensais qu'elle était beaucoup plus grosse. Je pensais qu'elle était beaucoup plus grosse que ça. Et du coup, je suis assez content par rapport à ça. Parce que vraiment... Putain, je me fais manger. Oh. Je, me, je pensais vraiment qu'elle était plus grosse et que j'allais. Parce que moi, la magnetic box, j'aimais pas trop par rapport à ça. Putain, c'est impressionnant. J'arrive pas à toucher le ballon. J'aimais pas trop par... parce que justement, je la trouvais trop grosse par rapport à, à, à moi. J'aime pas avoir des gros trucs dans les mains. Pouah, on va se faire ouvrir. Ressens-tu le input lag Écoute, attends, faut que j'attende un peu. Parce que là, tu sais, je viens de commencer. Ah, les couleurs sont pâles parce que là on est en on est en HDR là et le HDR quand tu live c'est ça c'est en fait la couleur que vous vous voyez, c'est pas celle que moi je vois. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. En fait, moi je les vois plus plus sombres les couleurs, vous vous les voyez plus pâles. Bienvenue Amourex. la faute. Oh la double faute. Ah puis on ne revient pas à la faute, bien sûr. Bien sûr. Bon par contre l'arbitrage, il est toujours... Euh, il est resté sur PS4 l'arbitrage. Il est même sur PS2 là. Ah ouais, c'est Jean-Kevin -Jean et triangle quand même. Jean-Kevin et triangle. Écoute, je pense les gars que l'input put Lin lag. C est, c est, bienvenue Pepo. Je pense que l'input lag, il est surtout à cause des serveurs, les mecs. Je pense pas que ce soit la console vraiment. Ap Salut à moi. Après, faudrait tester en offline. Tu vois, faudrait tester en offline vraiment. Parce que la. Est-ce que l'input lag, lag c'est le, le délai entre le temps où vous appuyez sur le, le bouton et le temps où ça fait l'action? Est-ce que l'input lag, il était... Il était à... par rapport à la console ou par rapport au serveur Moi, je pense que c'est par rapport au serveur. Parce que tu... L... Putain. Ok. Il y a la place, en plus. Je sais que je vais revenir tranquille. Ah ouais ah, il m'a contourné. Voilà, je savais, je savais. En termes de graphisme, j'ai l'impression que c'est un peu mieux. J'ai l'impression que c'est un poil mieux. Un poil mieux. Euh, la pelouse et la sueur. Je sais pas si vous avez vu la sueur sur Kiki là. Je sais pas. J'ai l'impression. Après, peut-être que c'est psychologique, les gars. C'est possible aussi. Voilà. Je vous l'ai dit, les gars, qu'on allait revenir. Je vous l'ai dit qu'on allait revenir. L'arbitre, il a des N-putelag. Ah bah, l'arbitre, c'est plus des n lac qu'il a. C'est. Ah, je l'ai fait trop tôt. Oh Dommage. Dommage. Ouais, je suis toujours un diesel, moi. Donc, pour l'instant, on va attendre la fin du match. Je vous donnerai mon verdict sur un match. Après, bien sûr, il faudra me suivre sur les lives pour voir l'évolution. Pour l'instant, je n'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment un changement. Je vais vous dire la vérité. Au niveau euh, gameplay. Voilà. Au niveau. Euh, au niveau réactivité, tout ça. Je pense que... Je suis pas sûr que ça venait de la console. Après, il faudra tester en offline. Parce qu'au moins en offline, il n'y a pas de question de serveur, etc. Est-ce qu'il y a un avantage à jouer sur PS5 par rapport à PS4 Bah, je pense pas. Oh, j ai, j ai privé. Pour moi, je pense pas. Parce que s'il n'y si a pas d'avantage, euh, enfin, je veux dire ça ne change rien que tu joues sur PS4 ou PS5. Donc, je pense pas que tu as un avantage. Ah, ah, je sais pas. En vrai, faut, faudrait faire des tests, tu vois, détaillés, des comparaisons avec. Euh... Attends, je lui ai offert un penalty au fait. Hein. Faudrait faire des comparaisons avec deux, 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 deux matchs euh, offline, les mêmes, sur deux machines différentes. Faudrait refaire un match contre Nexa. Là, il m'a mis 10-1! Il m'a mis 10. 1. Enfoiré. Oh, elle passe à côté. Il veut pas la prendre. Ça va centrer. Vous êtes quand même des petits bâtards. Vous êtes quand même des petits bâtards. Donc, ça, pour l'instant, c'est une première impression. C'est pas vraiment un test. Après, je referai une vidéo. Ouh, je referai une vidéo où je donnerai vraiment mon avis après avoir fait des matchs offline, etc. Nexa, il l'a montré sur son live. Ah ouais, l'escroc. Ouais, c'est vrai que Nexa, il m'a jamais battu. Euh... Ouf, il m'a jamais battu sur PS5. Je suis invaincu. Hein. Je suis invaincu sur euh, sur PS5.